Alors, il y a quelque temps, j'ai reçu un petit colis d'une copine. Si tu passes par là, je te fais un gros gros bisou. Alors, qu'est-ce j'ai? Un petit mot. Ah, trop mignon. Merci, ma chérie. Alors, j'ai deux petits pinceaux, un Raphaël et un autre rose. Trop bien. Hop. Avec les pinceaux. Alors, ça c'est des sticks Jane Davenport. Elle n'arrive pas à les utiliser, donc elle me les a donnés. Là, elle m'a offert une aquarelle roman schmal. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oh, ça a l'air d'être un peu couleur brouillée là. Trop bien. Donc ceux-là, je les connais. Je vais les mettre de côté. Hop. Alors moi je les ai déjà. Alors je pense que je vais garder ceux que Corinne vient de m'offrir. Hop. Et je vais mettre de côté les autres parce que je ne vais pas laisser les deux entamés en même temps. Oh, des acryliques. Oh, trop bien. C'est double couleur. Trop bien ça. Alors je connais pas du tout. Pourtant j'en ai quand même essayé pas mal des acryliques. Et franchement avec tous ceux que j'ai essayé, ben, il n'y a pas ceux que je préfère, c'est ceux-là. Ils sont trop bien. Alors maintenant, je ne connais pas ceux-là. Je vais les tester puis je vous redirai ça. Trop bien, en fait, ils sont déjà un peu en mode dégradé. Trop bien, je suis pressée de les tester. Je ferai peut-être un petit nuancier et tout. Ah, bah, il y en a un là. Ah, puis il y en a un vierge derrière, trop bien. Ah, bah, c'est cool. Franchement, le pack, il est trop mignon. Le pack, il est trop mignon, trop bien fait. 60 couleurs. Sur 25 marqueurs, dis donc ça pèse. Hein. Ça pèse son petit poids. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture aquarelle. Oh, mais trop bien! C'est de la Mertini. Alors j'en ai un tube gold que j'avais acheté pour... Non, je l'avais pas acheté. Je l'avais eu en cadeau. Je l'avais eu en cadeau. Où c'est que je l'avais eu en cadeau? Dans une petite boutique d'art à... quand j'avais été me balader, je crois, à Fontainebleau. Trop, trop bien, t'es folle, hein? Bah là, je vais me les mettre en godet. Trop, trop bien. Je vais me faire mon petit nuancier pareil. Et je vais me les mettre en godet aussi. Plein de trucs à tester. Et oh, des dessins. Ah, trop bien. Ça déjà.
J'adore tout ce qui est avec les chapeaux et tout. Années 50. Trop bien. Franchement, je suis trop contente. Merci Corinne. Oh, j'ai trop de trucs à essayer. Des petits trucs. Pour étaler les encres. Trop bien. Elle est trop gentille. Ça, je vais le mettre aussi dans la réserve parce que j'en ai. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait très, 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 très plaisir. Je vais tester. Je pense que je vais d'abord tester les aquarelles pour voir les nuances de celles-ci, comment elles sont. En fait, j'avais déjà vu leur pack, mais je l'avais jamais vu celui-là. Moi, normalement, celui que j'avais vu, il était bleu-bleu. Tu vois, regarde, les couleurs, elles ont l'air d'être oufissimes. Elles ont l'air d'être oufissimes. Je vais me découper des petits papiers pour faire le nuancier. Color 7. La girl star là, elle a l'air terrible. Hop. Alors du coup, je vais mettre le petit pack acrylique juste à côté. Alors, faut que je regarde, il me reste des godets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 12, 12, 12. Alors, j'ai des petits, mais j'en ai des comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12 de comme ça. Alors, soit je mets dans les gros, soit je mets dans les petits. Je vais me prendre une petite palette et on se retrouve pour le nuancier. Voilà, elles ont l'air trop belles. Donc là, il y en a une. Ouh, je l'ai bien remplie, la troisième là. J'espère que ça va pas déborder à côté, que ça va sécher avant. Donc là, je les ai mis en palette. C'est trop mignon. Donc, c'est la petite palette 12 couleurs Martini. Je vais mettre un petit peu de musique et puis je vais commencer le nuancier. Allons-y.
Voilà, je viens de terminer le nuancier et elles sont magnifiques. Alors, alors mes préférées, c'est celle-là. Alors, j'aime bien celle-là aussi. J'aime beaucoup celle-là. J'adore celle-là, 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 celle-là. Bon, en fait, je les aime toutes. Je les aime toutes. Je dirais que celle que j'aime un petit peu le moins, on va dire, c'est celle-là. Franchement, c'est top. Il y en a une, un peu trop ronquille. Espérer que ça sèche. Oh, regarde les couleurs, elles sont en train de se machiner là. Elles sont en train de graniner là, c'est beau. Très très beau. Franchement, elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Je vais déjà vous partager ça parce qu'après, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Et oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Oh, elle est d'une beauté. Neptune là. Et j'essaierai de filmer quand je vais tester les acryliques. Voilà. Et je vous ferai un petit retour dessus là. Les doubles pointes, ça a l'air pas mal aussi. Hein. Ouais. Voilà, bah, je vous fais des bisous à toutes, à tous. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.